Hello les geeks, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où moi je vais vous montrer comment envoyer de très gros fichiers par WhatsApp. Il peut arriver que vous ayez envie d'envoyer des fichiers qui pèsent 1 giga, 2 giga par WhatsApp et c'est souvent la galère. Donc moi je vais vous montrer rapidement comment faire ce genre ou bien ce type d'envoi. Donc première des choses à faire, c'est aller sur mon téléphone. Donc moi je vais partager l'écran de mon téléphone avec vous. Cela n'est pas nécessaire, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Un instant, je vais allumer le partage de mon écran. Maintenant, si vous voulez que je vous montre comment partager l'écran de son téléphone sur son PC, vous me dites en commentaire et je ferai une vidéo spéciale sur ça. Donc, on va continuer. Donc voilà, nous sommes sur mon téléphone et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le gestionnaire de fichiers. Donc, une fois que vous entrez dans votre gestionnaire de fichiers, vous allez là où se trouve votre vidéo. Moi, c'est dans ma carte mémoire. Donc, je vais aller sur la carte mémoire de mon téléphone. Et je vais défiler vers le bas. Donc voilà cette vidéo qui pèse apprendre Canva, qui pèse 170 mots. C'est ce que je veux envoyer par exemple par WhatsApp. Donc qu'est-ce que je fais? Et voilà, je vais faire appui long sur ça et je vais aller au niveau de plus et faire partager. Donc là il va me faire les propositions, mais au lieu de choisir WhatsApp directement, je vais choisir Drive. Donc voilà, Drive est quelque part ici, on va cliquer dessus. Donc c'est ça, apprendre Canva MP4 et il y a mon email qui est là et il y a mon drive qui est ici. Donc ce qu'on va faire, on va l'enregistrer sur mon drive. Donc voilà, pendant que le fichier s'installe sur drive, moi je vous prie de vous abonner à la chaîne si c'est votre première fois, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ici nous sommes sur la chaîne du Geek où chaque jour on publie une nouvelle astuce. Donc, rapidement, on va continuer. Donc, sur votre téléphone, une fois que vous avez terminé l'importation sur Drive, vous cherchez Drive sur votre téléphone, voilà Drive. Je vais cliquer dessus. On attend que cela charge. Donc, voilà le fichier Apprendre Canva que j'ai importé sur Drive. Donc, je vais cliquer sur les trois points ici. Voilà, et je vais copier le lien. Une fois que j'ai copié le lien, je peux aller directement sur WhatsApp. Voilà, et une fois dans WhatsApp, je vais cliquer ici, effet, appui long, et je fais coller, et je colle le fichier Drive, comme ça, j'envoie. Donc, lorsque la personne va cliquer sur le lien que je lui ai envoyé, il sera redirigé vers Drive pour regarder la vidéo. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo où moi je vous ai montré comment copier ou comment envoyer de gros fichiers par WhatsApp. On se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce. Ciao ciao.